De retour, cette fois pour une vidéo replay commentée sur un Jack Panther 2. Donc on va suivre le joueur Vodka Teddy, donc soit bien sûr un avateur de boissons, soit un russe vu ce nom là. Donc on va suivre le joueur avec sa vue à lui, ce sera plus simple pour voir tout ce qu'il va faire et surtout comment il vise. Alors le choix d'aujourd'hui sur le Jack Panther 2, c'est parce que j'en ai un moi-même, mais que je n'ai pas encore débloqué le dernier canon. J'espère que lui l'a fait pour que je puisse avoir un meilleur aperçu de ce que je vais pouvoir faire comme dégâts plus tard. Donc on voit qu'on est sur la nouvelle map Vallée Sacrée. Donc comme préférence, on voit qu'il se décide à aller dans la zone du temple qui est en bas à droite de la map. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits pour se cacher là-bas. Les temples sont destructibles par contre, donc tir d'artillerie ou autre, ça peut le choper rapidement, mais étant donné qu'il n'y en a pas là sur le coup, il est tranquille. Donc on rappelle que le Jack Panther 2 a le même canon que le Ferdinand en dernier canon, mais a un bien moins bon blindage de face. Par contre, c'est compensé bien sûr par son énorme mobilité et vitesse. Énorme mobilité et vitesse pour un TD surtout, hein, mais c'est déjà très très bon. Donc on voit que son premier shoot à 498 points de dégâts est passé sur le T69, donc il a bien le dernier canon il me semble. C'est vrai qu'il a bien choisi sa position parce qu'il n'est pas couvert par des buissons, mais il peut shooter des deux côtés de la map. Juste en pivotant légèrement. Donc là, le T28 prototype, de côté, normalement, il n'y a aucun problème. Hein. Il s'occupe pas du tout de lui. Ah, le T34-2, le tir n'est pas passé, il était un peu plus loin. Ouais, voilà, il vaut mieux qu'il se remette sur le bois. Loi, loue, loup, ça dépend comment les gens prononcent, moi je dis loi. Hein? Est-ce que c'est comme ça? J'en sais rien, pourtant j'ai fait allemand, mais j'ai détesté. Voilà, fin de la partie où c'est ma vie personnelle qui est évoquée. Alors il s'est remis sur le T34-2, le shoot est passé cette fois. Essaye de voir le loi toujours planqué dans le petit village. C'est pris un tir du Pershing, mais avec cette distance là, le tir perd de la pénétration et donc ne lui a pas fait mal. Donc pour le moment son équipe perd 2 à 1. Donc le T28 prototype, c'est lui qui lui a fait pas mal de dégâts, est décédé. Et de notre côté, c'est les Dian Panzer et le T69 qui sont morts. Donc là il tire dans la chenille par le Super Pershing. C'est un peu difficile quand même de si loin. Perdre la pénétration et puis c'est quand même beaucoup moins précis. On voit qu'il est à la recherche d'une nouvelle cible. Je serais lui, je commencerai à pivoter pour viser le côté gauche. Ah ben, joli blind shot qui fait mouche. Un tank de détruit. Donc sa team a repris l'avantage avec 5 à 4, à 3, pardon, si j'arrive même plus à lire. On va la voir, continue à tirer. S3 même de loin qui a pris cher. T34, si c'est bien visé dans le bas de caisse, aucun problème aussi, ça va rentrer. Il tente, on ne saura pas si c'est arrivé. S3, ça passe.
8-4 pour eux pour le moment. Votre KTD qui en est à 3575 de dégâts sans compter les blind shoots. On va la voir, continue à tirer. Ah, le Pershing, s'il tourne la tourelle, il va prendre cher. T-34 a été respoté aussi. Hop. Cible détruite. Pas de soucis. Tant qu'on vise pas la tourelle, aucun problème. Ah, déchenillé. C'est le moment de faire des dégâts. Ah, le Pershing aussi est déchenillé. Donc, même s'il a réparé, ils sont touchés. On va en profiter. On l'a même pas Ah, encore déchenillé seulement, malheureusement. Est-ce que le type 59 va aller en profiter? Non. Encore un tir non pénétrant. Ils sont seulement touchés. Ah, enfin, ça passe. Il ne reste pas beaucoup. Est-ce qu'on va pouvoir sauver le type 59? Eh ben, pas besoin. Il s'est débrouillé comme un grand tout seul. Alors, il se redéploie enfin parce que tous ceux qui étaient dans la partie haute de la map sont détruits ou presque. Qui va venir faire son petit quota de dégâts de ce côté aussi. Ah bah un Tiger 2 là, facile pour lui. Surtout avec tourelle tournée et le reste. Allez, allez, s'il recharge, il le tue. Voilà, c'est fait. Quatrième kill pour lui. 6146 dégâts sans compter, je crois, les deux blind shots qu'il a fait. Donc on voit que chez l'adversaire il reste plus qu'un ISU 152 qui peut rentrer normalement facile dans son blindage et un Jack Tiger pareil mais qui fera moins de dégâts. Déchenillé. Au moins ça c'est fait. Vaut mieux ça que rien, c'est sûr. Ah, c'est sûr que de si loin, en visant le haut de caisse, ça va être difficile de pénétrer le Jack Tiger. 88. Donc c'est là qu'on voit justement la mobilité importante hein, quand même du Jack Pointer 2. Hein. Autant le Ferdinand c'est un mur sur roulette mais lent, autant le Jack Pointer 2 il se redéploie à une vitesse, c'est très surprenant pour un TD, donc ça peut faire basculer la rencontre en cas de besoin. Après bien sûr le blindage ne suit pas pareil mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, est-ce qu'il va pouvoir faire encore quelques petits dégâts avant la fin de la partie? Si l'ISU s'avance encore un peu, ou Jack Tiger? Ah non, je crois que là où il est, ça va être terminé là-dessus, je pense. Quoique, s'il avance encore, eh ben non, c'est pas lui qui l'a eu. Donc, on peut faire le résultat de cette partie pour lui. Votre KTD, qui a été très important dans la bataille. Avec 6146 de dégâts visibles, sans compter les deux blind shots qui, à mon avis, ont dû pénétrer. Donc 4 fragots total, plus que bien. Une victoire 15-9 pour son équipe, qui a fait le job elle aussi. Donc lui, il a eu le bon choix de spot, et les gens l'ont pas vraiment shooté directement, à part une fois ou deux, et non pénétrant, donc parfait. Une bonne partie sur donc cette nouvelle map depuis la 8.6. Rien à redire là-dessus. En espérant vous retrouver très bientôt, merci!